semblez être des hommes cultivés et de bon goût. J'ai quelques livres rares en édition originale. Et Sylvia vous embête, hein? Non, pas du tout. Ces livres m'intéressent beaucoup. Bon, bon. Une bière. Oui, monsieur. Alors, mais vous avez ici les œuvres complètes de Wilhelm Shakespeare, un vieil auteur allemand réputé. Alléluia. Nous partons cette nuit. Ordre de Berlin. Le docteur Tobel doit avoir quitté ce pays avant l'aube. Je lui ai montré mes faux papiers et il est persuadé que j'arrive de Lucerne. Non, je regrette, mais vous en offrez trop peu. Je ne peux pas accepter de céder un tel livre pour ce prix-là. Je vais convaincre le docteur Tobel de venir jusqu'à mon magasin. Attendez mon signal de la fenêtre de Tobel tout à l'heure. Mais enfin, messieurs, vous aviez promis de m'acheter un de mes livres. Je vous ai dit non. Ah? Ouais, puis ça suffit. Garçon, s'il vous plaît, éloignez ces idiots. Allez-vous-en, allez-vous-en. D'accord, d'accord. Ne me bousculez pas, je vais partir. Ça, mais soyez polis, je suis un honnête commerçant et j'ai le droit. Ah! Allez, oh, ça. Bonsoir, cher docteur Tobel. J'ai ici avec moi des ouvrages scientifiques intéressants pour vous. Je crois que vous aimeriez les consulter. Mais oui, entrez donc. Merci. Qu'est-ce que vous faites ? Excuse. Depuis des mois, je n'ai pas arrêté de me sentir surveillé. Je ne suis pas un lâche, monsieur Holmes. On ne vous surveillera plus. Cette nuit, ils ont l'intention de vous faire passer de force la frontière allemande. Alors qu'attendons-nous ici? À ne rien faire? Comme des rats dans un piège? Calmez-vous un peu, cher docteur Tobel. Nous allons non seulement sortir du piège, mais nous allons aussi emporter le fromage avec nous. Mais comment? Les quatre sections de votre bombe, docteur, sont contenues dans ces volumineux ouvrages. Je dois vous avouer cependant que j'ai été navré à la pensée d'avoir à éventrer les œuvres de Charles Dickens. Oh, mais un livre n'est pas une cachette suffisante. Mon cher monsieur, dommage que mon ami le docteur Watson ne soit ici. Il vous expliquerait que dans toutes mes dispositions, rien n'est jamais négligé. Stéphane, Eric. Pourquoi appeler mes serviteurs? Vos serviteurs, oui, mais cette nuit, ils vont remplir un autre rôle. Je vous présente le docteur Tobel et notre vieille connaissance, le bouquiniste. Holmes, c'est si simple. Oui, l'évidence toujours apparaît simple. Faisons vite, nous devons partir. Stéphane, le havre sac. Stéphane et Eric se montrent d'excellents appâts. Vous avez dupé la Gestapo, alors? Complètement. Vos serviteurs vont les éloigner de nous. Mais que va-t-il arriver à Stéphane et Eric? Rien, rassurez-vous. J'ai pris soin de ça aussi. Alors, la route est libre. Venez. Vous allez prendre la voiture des nazis? Il faut bien s'adapter aux circonstances dans la vie. Et vous croyez les avoir persuadés que vous êtes un pauvre bouquiniste? Oui, j'ai toujours pensé qu'une bonne connaissance des classiques pourrait m'être utile. Mais comment allons-nous franchir la frontière et traverser la France? Inutile de la franchir. En effet, en ce moment, un avion de la Royal Air Force nous attend dans un endroit prévu.
Et il faudra vous habituer au blackout de Londres, docteur Tabel. Oh. Ce docteur Watson, quel garçon désordonné. Mais qu'allez-vous faire de ces livres? Un problème des plus élémentaires, cher docteur Tabel. Vous n'allez pas les garder ici? J'ai toujours prêté foi à la théorie qui a été avancée par Edgar Allan Poe, l'écrivain américain. Le meilleur moyen de cacher quelque chose, c'est encore de le laisser voir de tous. Oui, mais... Vous vous rappelez sans doute que Poe, dans sa nouvelle La lettre volée, place la missive en question, bien en vue de tout le monde. Haut les mains, messieurs! Scotland Yard, vite! Bonsoir, madame Hudson. Oh, mais c'est monsieur Holmes. Holmes. Ce sacré vieux Watson, c'est bon de vous revoir. Le téléphone. Que voulez-vous? Ah oui, Scotland Yard. Je crains qu'il y ait une petite erreur. Ah, oh, inutile de crier. Tout le monde peut faire une erreur. Quoi? Ah, si ça ne nous arrivait pas, vous seriez chômeur. Docteur Tabel, voici mon ami et associé, et ainsi que vous avez pu le remarquer, mon chien de garde, le docteur Watson. Enchanté. Heureux de vous connaître. Docteur Tabel et moi arrivons de Zurich en avion. Vous pouvez arranger ça, Watson. Le docteur Tobel, qui remporta le prix Rebnex de physique en 1939. Mon cher Watson, il n'y a qu'un seul docteur Tobel. Oui, et sans monsieur Holmes, il n'y aurait plus le docteur Tobel, j'en ai bien peur. Je croyais que vous viviez en Amérique. Je travaillais en Suisse depuis 2 ans. Holmes vous en a fait sortir? Sans difficulté. Aucun détail n'a été négligé. Et toutes ces dispositions réglées à une minute près. Du beau travail. Merci, docteur. Le problème, d'ailleurs, m'intéressait beaucoup. En tout cas, vous ne pouvez me reprocher la réaction que j'ai eue. Il avait l'air d'un musicien raté et prêt à tout. Mais au fait, pourquoi n'avez-vous pas emporté votre violon? D'ailleurs, à quoi bon cet accoutrement grotesque? Oui, il était nécessaire, je vous l'assure. La Gestapo était à nos trousses. Ah oui? Hein? Ici, Sherlock Holmes. Je voudrais parler à Sir Reginald Bellet d'urgence. Reginald Bellet? Qui jouait dans l'équipe de rugby de Blackpool? Ah oui, Watson. Oh! Allô, Sir Reginald? Holmes, à l'appareil. Oui, de Baker Street. J'ai le docteur Tobel avec moi. Merci. Très bien, rendez-vous dans 1 heure. Pas de temps à perdre. Je vais décider, Sir Reginald, de procéder aux essais dès demain matin. Je désire que seuls vos ministres et vos meilleurs experts en aviation soient présents. Et naturellement. Watson, je laisse le docteur Tobel sous votre garde. Donnez-lui un sédatif. Cette affaire a dû l'épuiser et il a une autre dure journée devant lui demain. Oui, 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 Holmes, bien sûr. Il ira dormir dans ma chambre et je monterai la garde jusqu'à votre retour. Merci. Il est inutile de veiller sur moi. Je suis en sécurité maintenant. Et croyez-vous, docteur Tobel, nous veillerons sur vous à chaque seconde. Mais, monsieur Holmes... Les tas de choses peuvent dépendre de votre sécurité. L'ennemi sait cela tout aussi bien que nous. Bonne nuit. Faites bonne garde, Watson. Comptez sur moi. Avec ces pilules-là, vous pourriez dormir en pleine tempête. Merci bien. Déshabillez-vous tout de suite. Sinon, vous serez déjà endormi avant d'avoir ôté votre pardessus. Eh bien, je vais m'asseoir là et prendre ma faction. Si, par hasard, vous aviez peur, appelez. Bonne nuit, docteur. Bonne nuit, docteur. Ah, ah, c'est drôle. Tous deux se dire la même chose en même temps. Bonne nuit, docteur. Bonne nuit, docteur. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce Holmes, quel garçon désordonné.
arrivé il y a moins d'une heure. Il faut absolument que je te voie tout de suite. Vous savez l'importance que cela a pour nous. Nous en saurons bien plus encore sur la bombe après la démonstration, Sir Reginald. Est-ce là ce que les Américains appellent réfléchir? C'est plus sérieux que tu ne peux l'imaginer, ma chérie. Bon. Un autre café? Non, il faut que je rentre avant qu'ils ne s'aperçoivent de ma disparition. Nous sommes séparés depuis si longtemps. Je ne supporterai pas que nous soyons à nouveau. Je veux travailler avec toi et je veux savoir à chaque minute où tu es. Rien que de connaître les détails de ma mission à Londres serait signer ton arrêt de mort. Si tu es en danger, je veux le partager. Il y a une chose que tu peux faire. Garde cette enveloppe. Si quoi que ce soit m'arrivait, veille à ce qu'elle soit délivrée à Monsieur Sherlock Holmes. Monsieur Sherlock Holmes? Oui. J'espère n'avoir jamais à la délivrer. Chérie. C'est enfui. Ça va, monsieur? Oh, je crois que oui. Je pense que c'était un voleur. Depuis le blackout, cette vermine a pris de l'audace. Oh. Vous feriez mieux de venir avec moi vous faire soigner. Oh, merci. Appuyez-vous sur mon bras. Watson! Watson, réveillez-vous! Hein? Où est Tobel? Il est là-dedans. Mais non, il a disparu. C'est impossible. Il est dans mon propre lit. Je n'ai pas bougé d'ici une minute. S'il lui arrive quelque chose... Tobel! Vous êtes blessé? Oh, ça n'est rien. Asseyez-vous ici. Laissez-moi regarder. Là, il n'y a rien de grave. Qui vous a mis ce pansement? La police? Oui. Vous avez été victime d'une agression? Vous progressez, mon cher Watson. Docteur Tobel. Est-ce que vous soupçonnez la femme d'avoir arrangé ce guet-apens? Femme? Quelle femme? C'est une blonde assez grande, aux lèvres pleines et très affectueuses. Oh, non. Vous la connaissez depuis longtemps? On vous a attaqué après votre départ de son appartement. Holmes, comment le savez-vous? Eh bien, la poudre sur le col de votre pardessus indique sa taille et son affection pour vous. Vous l'avez serré dans vos bras avant de partir. Non, vous plaisantez, Holmes. Tout ce que je dis est visible pour un œil entraîné, Watson. Mais enfin, on aurait pu aussi bien l'attaquer pendant qu'il se rendait à l'appartement de cette femme. Une partie de la poudre de riz a été enlevée par le coup. Il est bien évident que si l'attaque avait eu lieu avant, la poudre n'aurait pas été enlevée. Mais les lèvres pleines, vous ne l'avez que deviné. Je ne devine jamais, Watson. Vous avez simplement essuyé son rouge à lèvres avec le mouchoir que vous tenez à la main. Et naturellement, une telle épaisseur de rouge ne pouvait provenir de lèvres minces. Et les cheveux blancs? Je suis stupéfait. Monsieur Holmes, je me réjouis que vous soyez de mon côté. Alors dans ce cas, ne désobéissez plus à mes ordres en allant vous promener. Pendant que votre garde du corps dort à point fermé au lieu de veiller. Non, ça ne se reproduira plus, Holmes. Je m'étais assoupi devant le feu. Très bien, Watson, très bien. Et je m'excuse. Voyons, pouvez-vous décrire votre agresseur? Je n'ai pas réussi à le voir. Une silhouette s'est approchée de moi dans le noir. J'ai dû recevoir un coup de matraque sur la tête. Et des doigts se sont noués autour de ma gorge. Et vraiment, vous n'avez rien remarqué de spécial? Réfléchissez. Un détail sans importance à vos yeux peut peut-être en avoir, au mieux. Oui, oui, je me rappelle. D'abord, j'ai senti... de longs doigts qui me serraient la gorge, comme des griffes. Et ensuite,
Une odeur de drogue étouffante. Une drogue? Opium? Oui, c'est ça. J'en suis sûr, maintenant. Eh bien, en attendant, je crois que le mieux serait d'aller dormir. N'oubliez pas, les tests auront lieu demain matin et d'assez bonne heure. Le voilà. Scotland Yard a pris toute précaution pour veiller sur le docteur Tobel et ses appareils. Oui, deux policiers en civil restent avec lui dans sa voiture. Et quatre autres suivent dans une autre, monsieur. Bon, il vient à mon bureau à Whitehall dès qu'il aura atterri. Alors nous partons, messieurs. Eh bien, le voici, messieurs. Vous avez apporté votre appareil avec vous? Non, Sir Reginald. Je m'en excuse. Mais pourquoi? N'oubliez pas qu'il est indispensable de le mettre dans un coffre pouvant résister à toute tentative d'effraction. C'est un détail que j'ai déjà réglé de mon côté. Car je tiens à en superviser la fabrication moi-même. Mais vous... vous l'avez offert à notre gouvernement pour notre usage. Je l'offre toujours à votre gouvernement, mais... nul ne doit en connaître les secrets à part moi. J'ai mis au point un plan pour protéger mon invention. Au juste, que vous proposez-vous de faire, docteur Tobel? Je suis désolé, je ne puis révéler les détails de mon plan pour le moment. Croyez-vous que ce soit sage? Je regrette, messieurs, j'ai décidé de travailler seul. Et rien ne saurait changer ma décision. Ne pouvez-vous le persuader, Holmes? Mais supposons qu'il vous arrive quelque chose, docteur. Vous avez déjà été victime d'un attentat. Et si les soupçons de Holmes sont exacts... Taisez-vous, Watson. Inutile de discuter, messieurs. Ma décision est irrévocable. Scotland Yard va doubler sa garde auprès de vous, docteur. En fait, nous allons la quadrupler. C'est ce que je ne veux pas que vous fassiez, inspecteur. Hein? Ça ne ferait qu'attirer l'attention sur mes activités. Au revoir, messieurs. Hoffner... je vous confie ceci avant tout parce que vous êtes suisse. Et ensuite parce que je suis intimement persuadé de vos capacités. Je suis honoré, docteur Tobel. J'ai divisé le mécanisme de mon invention en quatre unités. Chacune ne représente rien sans les autres. Vous avez confié les trois autres? Oui. Nul à part moi ne connaît l'identité des quatre savants qui travaillent sur les quatre unités. Eux-mêmes ne se connaissent pas entre eux. C'est très ingénieux. Et d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas de difficulté à reproduire l'unité que j'ai en main en aussi grande quantité que vous le voulez. Ah, j'étais sûr de pouvoir compter sur vous. Je vous reverrai aussitôt que j'aurai mis au point la marche à suivre. Non, 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 je sortirai par derrière, s'il vous plaît, professeur Hoffner. Au revoir. Au revoir. Allô? Oui, Lestrade? Non. Très bien. Qu'y a-t-il, Holmes? C'est ce que je craignais. Lestrade m'apprend que Tobel a filé. Tobel a filé? Il n'est pas là. Holmes, s'il est arrivé malheur à Tobel, si son invention tombe entre les mains de l'Allemagne, ce sera un vrai désastre pour l'Angleterre. Du papier pour cadeau de Noël. Eh bien, il s'y est pris à l'avance pour faire ses emplettes. Oui, curieux, ça. Vous ne remarquez rien, Holmes? Une odeur, un parfum? Oui, je l'ai senti à peine entré dans la pièce. Clair de lune. Une essence très rare et d'un prix élevé. Cette femme encore? Certainement.
Passez-moi l'inspecteur Lestrade. Sherlock Holmes, à l'appareil. Ainsi, Holmes, cette fois, ça vous battu. Il est obligé de demander du secours. Vous croyez qu'il demande du secours? Il ne fait que commencer son enquête, vous allez voir. Lestrade, ici Holmes. Je veux que vous retrouviez la trace d'un appel téléphonique passé de chez moi à Baker Street. Un appel passé à minuit environ, la nuit où le docteur Tobel est arrivé à Londres. Il s'avoue battu, hein, Sir Reginald? Oui, Lestrade. Une minute. Charlotte Eberly, 34, rue Saint-Georges, au deuxième. Excellent, Lestrade. Merci. Où est le docteur Tobel? Je ne peux pas vous le dire. Ou plutôt, vous ne voulez pas? J'ignore où il se trouve. Dites-moi combien de paquets de cadeaux de Noël vous lui avez apportés. 5. Il a démonté sa bombe, je le sais. Mais placez chaque unité dans 4 de ses paquets. Est-ce exact? Excusez-moi. Allô? Oui? Ici Miss Eberly? Oui? Mais, oh, mais c'est sûrement quelqu'un qui l'a volé. C'est à Richmond, près du pont. Et entendu, je vais la faire enlever. Oui, tout de suite. Maintenant, je peux vous dire la vérité, Monsieur Holmes. Le docteur Tobel a disparu. On a retrouvé ma voiture à Richmond, près du pont, accidentée. Je la lui avais prêtée hier soir. Dans quel but, Mademoiselle Eberly? Il ne me l'a pas dit. Mais il a dit que si quoi que ce soit devait lui arriver, il fallait que je vous donne ceci. Holmes, il s'attendait sûrement à quelque chose. Oui. Cette enveloppe a été ouverte et recollée. Oh, mais c'est impossible. Elle n'a pas quitté mon tiroir. Nous nous retrouvons, Monsieur Holmes. Quoi? Mais ce n'est pas le message. Ce n'est même pas le même papier. J'ai vu le docteur Tobel dessiner une série de personnages. Quel genre de personnages? Voyons, on aurait dit les danseurs d'un ballet. Danseur d'un ballet? Ça, c'est curieux. Qui est venu dans l'appartement depuis que le docteur Tobel vous a donné cette enveloppe à garder? Mais personne. Je n'ai reçu aucune visite. Réfléchissez. Pas même un représentant? Non. Il y a l'homme qui est venu quelques minutes. Et qui était-ce? Oh, un ouvrier est venu réparer mon interrupteur. Il n'aurait sûrement pas pu... Vous l'aviez fait venir? Mais non. Ma lumière s'est éteinte et peu après, il a frappé à ma porte et il a affirmé qu'il venait de la part du concierge. C'est là qu'il a travaillé. Mais il n'est pas resté seul dans cette pièce plus de 5 minutes. Et je dois reconnaître que la lumière est revenue. Il a coupé l'interrupteur principal en bas, a prétendu réparer celui-ci, et au bout de quelques minutes, un complice a rétabli le courant. Voilà tout. Oh, mais voyons, en 5 minutes... Avez-vous vu son visage? Non. Juste une seconde. Oh, d'ailleurs, il dissimulait son visage. Mais c'était un homme grand. Ah oui, il était grand. Il avait les paupières lourdes et les pupilles un peu voilées. Holmes, ah, vous oui, ne croyez pas... Je me rappelle maintenant. Ses yeux, on aurait dit ceux d'un serpent. Miss Eberly, le docteur Tobel est tombé entre les mains d'un des plus horribles monstres de l'histoire du crime. Venez, Watson, chaque minute compte. Au revoir, Miss Eberly. Au revoir, Miss Eberly. Je ne vois pas pourquoi je ne vais pas avec vous. Vous avez votre mission, Watson? Ouais, portez une lettre cachetée à l'inspecteur Lestrade, tandis que vous fouillez ça. Je ne courrai pas après lui. Je lui permettrai de me trouver dans la peau d'un sinistre meurtrier qu'il a autrefois employé. Et qui, je peux vous le dire, est encore en prison. Oui, mais après toutes ces années... Ne vous méprenez pas, Watson. Ceci n'est pas un duel d'intelligence avec la Gestapo dont les méthodes sont cruelles, méconnues. Il s'agit d'un grand problème où l'Angleterre est l'enjeu et notre antagoniste, le professeur Moriarty. Nous le battrons. Et quand il sera pendu, je crois que j'intitulerai mes mémoires de ses aventures « La fin de Moriarty ». Un excellent titre, Watson. Il faut nous arranger pour que ce ne soit pas Moriarty qui écrive les mémoires. Up she rises early in the morning. 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 Up she rises.
Ramsingh. Ramsingh. Qui connaît Ramsingh? Je le connais. Espèce de marin à la manque. Je pense que tu sors de tôle. Comment le sais-tu? Je l'ai appris par le salaud qui s'est arrangé pour que tu payes à sa place. Ouais, tu sais de qui je parle, matelot. Oui, je sais. Mais je lui aurai la peau. On pourrait s'arranger, disons, pour 10 livres. Tu sais où il habite? Hein, pour ce prix-là, je le saurais. J'en ai que 3. Au revoir, matelot. Non, mais... 5 livres. C'est plus de 10 que tu crasseras si tu continues. Mais espèce de sale voleur! Bah, voyons, c'est pas tellement cher pour ce que tu veux savoir. Tu fais une bonne affaire. Le compte y est. Alors? Tu te rappelles bien l'impasse des anges? Hein? Alors suis tes pieds tout le long de la ruelle jusqu'à ce qu'il t'amène à la baraque de Jacques Brady le charpentier. Il te dira exactement où cette fripouille se cache en ce moment. Tu viens toi aussi. Moi? Moi je suis... Si t'as menti... Bien entendu, patron, je suis prêt à aller avec toi. Doucement, on rentre ça. Bon, suis-moi. Ayez pitié, monsieur, j'ai rien mangé depuis 2 jours. Mais ayez pitié. Le camp. Jambe de bois. Qui c'est ce type-là? C'est un païen assoiffé de sang. Il voudrait des renseignements contre du pognon. Qu'est-ce qu'il veut savoir? Il m'a offert 5 livres pour l'amener à une personne qui pourrait lui dire au Splanque. Tu sais qui? Si vous l'ouvrez pas, je vous tranche la gorge. Ça te coûtera 5 livres de plus. 5 livres de plus, hein? Donne-les-lui. Moi? Allez, dépêche-toi. Non, mais je prends 5 livres, moi, voyons. Dépêche-toi, paye-le. Je vais te le dire, Winston. Je vais te dire toute la vérité. Vieux bandit est au fond de l'eau en train de nourrir les petits poissons. Ce qui va sûrement les empoisonner. Et je crois que ça valait bien 5 livres, hein? Je te dis qu'il est vivant. Et ouais, je te dis qu'il est mort. Et ça depuis des années. Tu mens. Ça suffit, Jacques Brady. Quand on a tort, il faut l'avouer. Monsieur Sherlock Holmes avait raison. Je vous retrouve, professeur Moriarty. Tout à fait normal, Holmes. Mes hommes ont pour instruction d'amener ici tous ceux qui cherchent après moi. Ils parlent pendant que j'agis. Un admirable déguisement, d'ailleurs. Ils s'y sont laissés prendre. Mais bien entendu, pas moi. Croyez bien que j'en étais certain. Et mon seul but était qu'ils nous remettent enfin face à face. Ah, comme au bon vieux temps, n'est-ce pas? La bataille des cerveaux, des super-intelligences. Je peux vous avouer que je vous attendais depuis que je me suis emparé de votre précieux docteur Tobel. Et de son code. Ah oui, et de son code. Malgré ce que représente le docteur et son code pour mon organisation, je crois que mon principal intérêt dans cette affaire est la chance qu'elle m'apporte de me mesurer avec vous à nouveau. Moriarty, ce n'est pas un simple crime que vous avez commettre. C'est un coup mortel porté contre votre propre pays. C'est une chose qui me laisse froid. Cette entreprise me rapportera à elle seule plus que toutes mes aventures passées réunies. Alors, vous refusez? Oh, bien entendu. Et pour être certain d'assurer la réussite de cette affaire dès ce soir, mon intention est de vous tuer, monsieur Holmes. Le vieux a la jambe de bois. Il a emmené monsieur Holmes. Ils sont allés jusqu'à la boutique du charpentier. Il a frappé à la porte. Un homme leur a ouvert et ils sont entrés. Merci, Georges. Vous pouvez partir. Bonne chance, Sir Watson. Bonne nuit. Qu'est-ce que M. Holmes espère donc obtenir avec cette mascarade? Il espère effrayer Moriarty, l'obliger à emmener Tobel ailleurs et à se démasquer. Que Moriarty est mort, je vous le répète. Attention. Cachons-nous, vite.
Et vous, là, une minute. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous transportez? Et qui êtes-vous? Scotland Yard. Scotland, je vous demande pardon et je vais vous montrer mes papiers. Voilà, pose-la. Je suis en règle, patron. Je suis Jacques Brady, un pauvre charpentier. On m'a passé une commande que je dois livrer d'urgence. Mon copain est venu m'aider à la transporter. Oui, demandez-leur de l'ouvrir, les frères. Oui, ouvrez ça. Ouais. Et tout de suite, patron. Allez-y, regardez. Rien de spécial, docteur. Vous avez pu le voir par vous-même. Allez, vous pouvez partir. Merci, patron. Et en route. Mais fais attention, voyons. Oui. Bonne nuit, messieurs. Alors, vous voilà satisfait? Je ne comprends pas. Cette caisse doit peser une tonne, il titube sous le poids. Mais vous avez raison, ma parole. Quelques outils ne devraient pas peser autant. Pourtant, nous l'avons bien examiné. Il y a peut-être un double fond, après tout. Hé, hey, vous, arrêtez! Arrêtez-vous, je dis! Adieu, Holmes. Sois pendu par les pieds. Vous êtes blessé? Non. Mais pourquoi avez-vous tellement hurlé? Hein? Ma tête a pris un de ses coups. Oh. Moriarty en aurait été ravi. Le professeur Moriarty est donc vivant? Il est vivant et possède le docteur Tobel et son code. Inutile d'aller là-bas, ils sont partis. Mais qu'allons-nous faire? Eh bien, d'abord, je vais aller me débarbouiller. Ensuite, je vais aller voir Miss Eberly à nouveau. Il me faut trouver d'autres renseignements sur le message de Tobel. Allons-nous-en. Je n'ai jeté qu'un simple coup d'œil sur la feuille de papier. Il était assis à ce bureau? Non, il était assis sur ce divan quand il a écrit le message, mais il a caché l'enveloppe ici. Le message a été écrit à l'encre avec cette plume? Non, il a employé un crayon, celui-ci. Bien, merci. Il s'est servi de ce bloc? Oui. Et puis, vous en êtes servi? Non. Ça doit être ici. Ça ne peut être qu'ici. Quoi, monsieur Holmes? C'est la lettre. La mine de ce crayon est dure. Assez dur pour avoir laissé son impression sur le papier du bloc. Cette impression, pour le moment, est invisible, mais si nous plongeons la feuille de papier dans une solution de sel fluorescent, la laissons sécher et la photographions au rayon ultraviolet, les fibres brisées par l'écriture absorberont moins de la solution que les autres parties du papier. Éteignez la lumière, Watson. J'introduis la plaque dans le projecteur. Et maintenant, j'allume. Les fibres brisées apparaissent plus noires. Et deviennent visibles. Splendide, Holmes. Maintenant, je reconnais ce code. Vous rappelez-vous cette affaire il y a quelques années? C'est probablement le même code de substitution alphabétique. Oui, Watson. Je pense que le docteur Tobel a employé ce moyen pour communiquer avec nous. Substitution alphabétique? Je ne comprends pas. Ma chère, un des plus anciens codes en usage est basé sur la répétition des signes. E est la lettre la plus employée dans notre langue. Par conséquent, le personnage revenant le plus souvent dans ce message doit représenter un E. T, A, O et N suivent dans l'ordre de fréquence. Vous prétendez pouvoir lire ces personnages comme des lettres de l'alphabet. Le menteur, ma chère Miss Eberly. Donnez-moi une minute et j'aurai traduit le message. Et quel est le message, Watson? Ce Tobel s'est certainement moqué de nous. Ça ne veut absolument rien dire. I, Y, Z, L, N, T, H, K... Oh, c'est de l'hébreu pour moi. Le docteur Tobel est un homme intelligent et je suis persuadé qu'il n'aurait pas laissé un message aussi simple à déchiffrer. Ni qu'il aurait dessiné ses personnages clés sans un but précis. Alors il ne s'agit pas de substitution alphabétique? Non, mais si, Watson, mais avec des variations astucieuses. Vous voyez, les silhouettes 1, 2 et 3 veulent dire qu'on saute les lettres dans cet ordre. Je vais vous expliquer, Watson. La première lettre, qui est I, avance d'une et devient J. La seconde lettre, qui est Y, avance de deux et devient A. Et la troisième, Z, devient C. J, A, C. J, A, C, O, B, D, U, R, R, E, R. Jacob Durer, un savant suisse, ami du docteur Tobel. P, A, L, A, C, E... C, R, E, S. Oh, Palace Crescent. Oui. Dites donc, Holmes, je pense qu'on devrait voir ce Durer. Je le pense aussi, Watson.
Il a sûrement un rapport avec la bombe, sinon le docteur Tobel n'aurait pas pris autant de peine à nous donner son nom. Écrivez le reste du message. J-O-S-E-P-H Joseph. E-M-D-D-T-A-C. Le quatrième ne veut rien dire. Je pense qu'il a dû employer une autre variation. Quatre noms et quatre adresses. Jacob Dürer, professeur Farrell, docteur Kern. Et le quatrième qui ne cadre pas avec le code. Des cadeaux de Noël. Watson, je commence à comprendre. Le docteur Tobel a divisé sa bombe en quatre parties, comme nous l'avions ramené de Suisse. Il a remis une partie de son mécanisme à chacun de ses célèbres savants suisses. Une idée vraiment géniale. Voyez-vous, chaque partie est sans valeur sans les trois autres. Et il est plus que certain que ces quatre savants ne se connaissent pas. Le professeur Moriarty, lui aussi, a le code, et nous pouvons le croire capable de le déchiffrer. Plus le temps de trouver le quatrième nom. Nous devons joindre les trois premiers avant que Moriarty le fasse. Palace Crescent d'abord. Oui, je vais chercher un taxi. Miss Eberlin, puis-je vous demander de nous attendre ici? Merci. Mort? En tout cas, il en a l'air. Monsieur Holmes, comment étiez-vous au courant de ça? Le Yard a été prévenu il y a à peine un quart d'heure. Dépêchons-nous, Holmes. On a encore le temps de sauver Farrell et Kern. Trop tard, Watson. À l'heure actuelle, Farrell et Kern sont morts aussi. Quoi? Déduction encore, monsieur Holmes. Pas du tout, mais des faits. Oh, des faits. Mais comment savez-vous pour les autres? Élémentaire, mon cher Watson. Cet homme est mort depuis plus de deux heures. Moriarty ne perd pas de temps. Allô? Ici Lestrade. Passez-moi McCarthy. Allô, McCarthy? Oui, ici Lestrade. Savez-vous quelque chose sur deux hommes qui s'appellent... Farrell et Kern. Farrell et Kern. Quoi, morts tous les deux? Oh. Merci. Le rapport est arrivé deux secondes avant que je téléphone. Qu'allons-nous faire, Holmes? Moriarty a de l'avance sur nous et il a le code. Notez ceci, Watson. Scotland Yard signale deux meurtres, ce qui en fait trois en tout. Or, il y avait quatre boîtes et quatre codes. Donc Moriarty n'a pas, lui non plus, déchiffré le quatrième. Quel est le nom du quatrième? Je ne me rappelle pas. Quel est le nom du quatrième? C'est une catastrophe pour l'Angleterre. Nous perdons la bombe de Tobel et, ce qui est plus grave, l'Allemagne là. Coventry, Bath, Plymouth, Londres. Sans oublier Norwich et Harrow. Toutes les villes citées menacées d'être détruites par cette bombe. Est-ce que vous supposez que j'ignore cela, Sir Reginald? Je suis tout prêt à donner ma vie pour trouver le dernier nom du message. Il doit bien y avoir une solution. Ça, je l'avais pensé aussi. Alors, ne me brutalisez pas. Je suis épuisé. Et puis j'ai soif. C'est vrai, je suis épuisé. Toutes ces lettres et ces dessins, ça me rend complètement fou. Tout tourne à l'envers. À l'envers, dites-vous? Hein? Mais c'est ça! Quoi ça? À l'envers, bien entendu, j'aurais dû y penser tout de suite. Retournons la plaque. Vous voyez maintenant, tous les personnages correspondent aux trois premiers noms. Et les personnages qui correspondent au quatrième nom sont écrits à l'envers et doivent être lus de droite à gauche. Si nous retournons la plaque, alors ils se lisent correctement de gauche à droite. Mettons-nous au travail. Votre crayon, Watson. Pourquoi le docteur Tobel aurait-il voulu inverser les personnages pour le quatrième nom? Simple précaution, Lestrade, au cas où le code tomberait en d'autres mains que les miennes. Ah, un joli compliment qu'on vous a fait. Que vous a fait Tobel, en étant aussi certain que vous découvririez la différence de code. Merci. Ah, ouais. F-R-E-D-E... R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R... Frédéric Hoffner... S-L-O-A-N-E-S-Q... Sloan Square. Il faut partir tout de suite. Non, une minute. Les renseignements. Voulez-vous me donner l'adresse d'un certain Frédéric Hoffner à Sloane Square? Je découvrirai la clé de ce code. Je trouverai le quatrième nom avant Holmes.
Oui, mais c'est que le temps presse. Le sous-marin doit passer nous prendre à Sheerness dans 6 heures. J'ai battu Holmes jusqu'à présent. Nous embarquerons dans ton sous-marin avec la bombe entre nos mains. Mais Tobel n'a pas encore repris connaissance. On pourrait abandonner le code et emmener Tobel en Allemagne. Va le chercher et amène-le ici. Attends! Avoir renversé ce verre d'eau est ce qu'on peut appeler un accident bénéfique. Le docteur Tobel a employé un système de code si simple qu'il nous a déroutés. Je cherchais un système ingénieux, alors qu'il est enfantin. Il a simplement inversé le chiffre. F, R, E, D, E, R, I, C, K, H, O, F, F, N, E, R, S, L, O, A, N, E. Frédéric Hoffner, Sloane Square. Bien entendu, Hoffner était bien l'homme qui convenait. Alors, vous voulez qu'on règle son compte à ce Hoffner? Non, il peut nous être utile. C'est un savant de grande valeur. Si le docteur Tobel ne se remettait pas du traitement qu'il a subi, Hoffner pourrait remonter ensemble les 4 parties. Toi et Gottfried, allez chez Hoffner et amenez-le-moi ici avec la 4e section de la bombe qu'il a. Faites vite. En l'air, professeur Hoffner. Donne-moi la boîte. Nous nous retrouvons, professeur. Sherlock Holmes. J'ai amélioré ma technique du maquillage. Qu'en dites-vous, professeur Moriarty? Ainsi, vous croyez m'avoir battu, Holmes? Je l'ai fait. Le vrai Hoffner est en sécurité à Scotland Yard. Mais j'ai toujours Tobel. Je vais vendre à l'Allemagne l'inventeur au lieu de l'invention. Vous n'avez rien tiré de Tobel en dépit de toutes vos tortures. Sinon, vous ne seriez pas aussi désespérément acharné à réunir les 4 sections de la bombe. C'est là une remarque très pertinente, Holmes. Mais oublieriez-vous que vous êtes maintenant mon prisonnier? Et tout compte fait, mon erreur va m'être utile, en me donnant la chance d'en finir avec vous. Holmes a pris ma place, et tandis que les nazis étaient avec lui à l'intérieur, j'ai, selon ses instructions, fixé un petit appareil en dessous de leur voiture. C'est une brillante idée de sa part. Je l'ai aidé à préparer cet appareil. Je vous félicite, docteur. Oh, vraiment, je n'ai fait que verser la peinture lumineuse. Très astucieux, docteur Watson. L'appareil laisse tomber à intervalles réguliers quelques gouttes qui laissent une piste lumineuse. Qui doit nous conduire à Moriarty et à M. Holmes. Pourquoi êtes-vous si confiant, professeur? Ce n'est qu'une suggestion. Mais qui vous dit que Scotland Yard ne fera pas irruption ici dans quelques minutes? J'ai choisi cette retraite avec le plus grand soin. Nul ne peut la trouver, pas même Scotland Yard. Je vous l'assure, monsieur Holmes, vous n'en sortirez pas. Je pourrais courir à la fenêtre, briser un carreau et appeler un passant. Il n'y a pas de passant. Les vitres sont en verre incassable et cette pièce est insonorisée. Ceci est ma forteresse, Holmes, équipée de tous les perfectionnements utiles à la réussite totale de mes activités professionnelles. Asseyez-vous. Etc.
s'arrête encore, monsieur. Je n'y comprends rien, Lestrade. Elles s'étaient arrêtées, elles ont repris, et elles s'arrêtent à nouveau. Peut-être que l'appareil est tombé en panne. Une suggestion, messieurs. Au carrefour précédent, une auto a pu passer sur les traces de peinture. Un peu de la peinture s'est collée au pneu et a laissé ses nouvelles traces. C'est ce que j'étais sur le point de suggérer moi-même. Remettons-nous en route. Alors, Holmes, quel est votre choix? Voyons, la chambre à gaz, un verre de poison ou juste une simple balle dans la tête? Vous me décevez, professeur. Oui? Oui. Oh, je me doutais bien qu'en fin de compte, vous prouveriez n'être qu'un vulgaire assassin. Vous devriez mieux me connaître, Holmes. Gaz, poison, balle dans la tête. Je vous assure, professeur, que si nos positions étaient inversées, j'aurais quelque chose de plus coloré, de plus imaginatif à vous offrir. D'être le vainqueur me suffit. Et de plus, je serai vivant. Vivant, oui. Le vainqueur, non. Parce qu'en dernier ressort, je vous prouverai que je vous ai été supérieur. Vous ne m'avez pas amené ici. J'y suis venu parce que je voulais vous empêcher d'avoir Hoffner. Et tout ce que vous trouvez en retour, c'est de commettre un vulgaire meurtre pour vous venger d'avoir été frustré. Et alors, mon cher monsieur Holmes, qu'auriez-vous conçu, vous, qui eût été tellement plus coloré? Bien que forcé d'improviser, je crois pouvoir proposer une idée qui sera meilleure, mais c'est tout à fait naturel. Alors, quelle est la brillante idée que vous avez? Vous savez qu'on meurt si on perd 4 litres de sang. Mais bien entendu. Je vous ferai mettre sur une table d'opération, enfoncerai une aiguille dans vos veines et lentement j'en ferai sortir la vie. L'aiguille qui tue? Ah, Holmes. Lentement, lentement, mais sûrement. Goutte après goutte, votre sang s'écoulerait. Vous apprécieriez chaque exquise seconde jusqu'au bout. Vous vous verriez mourir scientifiquement, notant vos réactions en pleine possession de vos facultés. Intéressant. Eh, n'est-ce pas? Je vous apporte la preuve, professeur, que jusqu'à la fin, je me montrerai plus fort que vous. Je vais profiter de votre leçon, monsieur Sherlock Holmes. Depuis longtemps, en effet, cette maison a été un refuge pour certains de mes amis blessés à la suite de frictions avec Scotland Yard. Aussi, j'ai là une table d'opération. Ils ont pris la direction des quais, inspecteur. Goutte à goutte, Holmes. Goutte à goutte. Vous savez, j'ai presque des regrets. Vous étiez un stimulant efficace pour moi. Mais il était bien évident que vous seriez vaincu. Ce n'est plus qu'une question de minutes. Descendez Tobel jusqu'au bateau. Mettez le moteur en marche. Bientôt, ce sera la fin, Holmes. Bientôt. Très bientôt. À chaque goutte de sang qui abandonne votre corps, vous sentez la mort venir. Entrez en vous. Vous la sentez bien, n'est-ce pas? Vous êtes parfaitement lucide, n'est-ce pas, Holmes? Et je demeurerai lucide jusqu'à ce que vous soyez mort, Moriarty. Ah, décidément, je retrouverai toujours le vaniteux Sherlock Holmes. Moriarty entend un coup de feu, il tuera Holmes. Surveillez le bateau. Ne bougez pas avant que le docteur Watson et moi ne soyons entrés. C'est compris? Attendez-moi ici, professeur Hoffner. Venez, docteur.
L'eau est de ce côté, docteur. Le bureau de Moriarty doit donc être par là. Je ne peux plus attendre, Holmes. Je vais être obligé de manquer aux lois de l'hospitalité. Je dois vous donner le coup de grâce. Eh bien, Moriarty, vous êtes fait. Holmes! Holmes! Au contraire, inspecteur, mes hommes sont dehors. C'est vous qui êtes fait. Vous croyez? Venez jeter un coup d'œil à la fenêtre. J'espère que ça vous convaincra. Il va essayer d'atteindre le bateau. Oui, il va emmener Tobel. Dépêchons-nous. Attendez. Docteur Tobel, inspecteur. Ça n'a pas l'air trop grave. Les dieux sont avec nous. Occupez-vous de lui, Hoffner. Oui. Vous inquiétez pas. Je vous attendais, mais sans mon revolver. Vous saviez bien sûr, en m'amenant dans cette pièce les yeux bandés, que j'avais entendu le mécanisme de cette porte. Naturellement. Et le sachant, vous avez choisi cette porte pour vous échapper? Ce n'est pas très flatteur pour moi. C'est un suicide, mon cher professeur. Pas du tout, mon cher Holmes. Voyez-vous, ceci n'est pas un passage ordinaire. Je m'explique. Cette porte est aussi bien réglée que le reste de mon humble demeure. Tout est prévu. Un œil électrique la commande. Moi, passant cette porte, le mécanisme se déclenchera et automatiquement une trappe s'ouvrira. Ah, mais après moi, bien sûr. Et mon poursuivant, je pense à vous, mon cher Holmes, se retrouvera broyé 30 mètres plus bas. Holmes! Holmes. Pauvre Moriarty. J'ai négligé de le prévenir. J'ai oublié de lui dire qu'avant lui, une autre personne avait franchi sa porte et l'avait laissée ouverte. Partons, Watson. L'Allemagne voulait à tout prix la bombe de Tobel. Nous avons quand même réussi à la conserver à notre pays. Oui. Grâce à vous, monsieur Sherlock Holmes. Et à madame Tobel. Et grâce aussi à l'inspecteur Lestrade. Oh, je vous remercie.